Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 6, normalement, ou 6 ou 7, je sais plus, ou 4 ou 5 ou 6. Donc on se retrouve sur le Mugello au Grand Prix d'Italie, les amis. Donc on va se le faire, en espérant se rattraper de la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était... Le Grand Prix du Mans a été une catastrophe, allez démarrer course. Lancer la course. Trois chutes en... Ah là là. Espérons. Hop, ça je peux pas les mettre sinon ça fait des copyrights. Bienvenue à tous. C'est un circuit que j'affectionne pas particulièrement. Alors la bécane. Châssis, suspension. On va passer ça au niveau 2. Oui. Voilà. Alors ensuite, rejoindre le circuit. Allez, c'est parti. On va faire un seul tour, les amis. On fait qu'un seul tour. Oh. On va sur la trajectoire. Hop, on se concentre. Allez, tour de chrono. Lancer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis déjà à fond avec. Je suis en rupture avec la mine. Virage très très difficile à prendre. Un des plus durs du Mugello. Gros freinage. Après ça s'enchaîne. Je connais pas les noms du virage. Let's go boy. Allez, c'est parti. Oh le vibreur. Oh, j'ai fait une game aller là. J'ai senti dans la manette. Pas de vitesse de pointe en fait. C'est un circuit qui est très technique. Il y a beaucoup de freinage et de relance en fait. On joue beaucoup avec l'embrayage sur ce circuit là. L'embrayage. Bon, ça passe. De frein moteur aussi. C'est parti. Et hop, à fond, à fond. Le tour a l'air pas mal quand même. Voilà, tac. Retour au stand, désolé. On fait qu'un seul tour, hein, comme j'ai dit. Développement de la moto, on va développer le moteur, suspension, moteur, hop, oui. On va accélérer les qualifs. Je suis toujours premier. J'ai 5 centièmes d'avance quand même. Hey, on est premier les amis. Ouais. Oui. Yes, j'ai la pole position. Termine cette séance de qualification. Après une séance très disputée lors de laquelle les pilotes ont donné tout ce qu'ils avaient jusqu'au bout, nous connaissons enfin le nom de celui qui prendra la pole demain. D'accord. Yes, niveau 11. Nouveau casque. Spartec, nouvelle paire, ouais, nouveau gant. On ira voir ça plus tard. Rossi. Bienvenue. Allez, c'est parti les amis. Cette fois-ci on gagne la course, allez, on la gagne cette course.
Moi je veux la win. Mugello, je la win. Allez. C'est ma course. Oh la vache. Démarrage, c'est une catastrophe. J'ai perdu 3 places au démarrage. Non, faut pas tomber, ils ont failli me faire tomber. Oh la vache, incroyable. J'ai pris une pénalité en plus. Et juste parce qu'ils ont failli me faire tomber. Hein. Oui, tout à l'heure. Bizarre. Il y a pas le même que tout à l'heure. C'est peut-être parce que c'est avec les autres. Oui. Waouh. Là, je suis déstabilisé là. Au départ, il m'a déstabilisé de ouf. Je sais, il y a moyen de faire quelque chose sur ce circuit là. 5 tours sur celui-là. Allez, on le rattrape, oui. On va le bouffer. Dans le virage là. Sans Varquez, Vasquez plutôt. Allez. Waouh. On va le doubler, voilà. Le cousin de Vinales. C'est Isaac. On prend des risques. On prend des risques. Fabio, faut pas tomber mec, j'écarte un peu. Je le double là, mais bon il va avoir de la ligne droite je pense. Voilà. Allez, allez. Encore un pas de dénivelé obtenu. 230, 238, je suis en rupteur. Je suis en rupteur moteur. Il y a moyen, il y a moyen. On la tient la course. On se rattrape là. C'est juste à mes fesses là. La moindre petite faute. Je la paye à cash. On reste concentré. On espère avoir un premier podium. Ça dure le podium. Hein. Les autres s'échappent là. Fabio est en train de s'échapper. Je suis meilleur sur la troisième partie du circuit. Là, ici, là, non, là. C'est la troisième partie ou la deuxième, ou plus la troisième. Je suis un peu plus rapide ici. Allez, je le rattrape. La troisième partie du circuit. Oh. Allez. J'ai fait une petite faute là. Elle me fait pas tomber mec. Bata, elle fait pas tomber. On va prendre l'aspi. Avec l'aspi je peux l'avoir. Oh quelle belle bataille entre Français.
vache, c'est sorti large. C'est de sa faute là. Tous à la faute. Hein. Centre. On passe devant là. Voilà. Mais non, il m'a fait tomber. Il m'a fait tomber les gars. Il m'a fait tomber. Oh non. Oh la catastrophe. Oh, il m'a refait tomber. Oh, il y a plein de monde de tomber là. Oh la catastrophe. Ils m'ont éclaté ma bécane. 15e. Merci Fabio Cotartaro, les fesses. Oh la vache, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça l'arrache pas. Enfin, alors, je faisais un duel. Oh, mais comment qu'elle a volé ma bécane? Waouh, il a failli faire tomber lui aussi. Et... c'est Nati là aussi. Ça me pend au nez, ça me pend au nez. En tout cas, c'est un jeu vachement difficile. Franchement, il est dur le jeu. Surtout quand vous mettez en pro là, ou je sais pas quoi, difficile. Le jeu. C'est de plus en plus dur. Toi, tu m'as fait tomber quoi, j'y crois pas. Top 10 au moins. Trois ils se battent là. Maintenant je suis arrivé dans la bataille. Top 10 là, que des Italiens là, par leader. Allez, on tient, allez, toi. Tiens. On pourra le rattraper. Tout donner pour. Partir en glisse là.
ici. Là on va le très mal. Ce virage là à chaque fois. Allez, on l'a bouffé. Et ouais, la finale devant. On aurait pu faire quelque chose de ouf. Mais. Bon, on aura fait 7ème, les amis. Pas plus mal, pas trop mal. Pendant que les vainqueurs de la course se dirigent vers le parc fermé, jetons un coup d'œil au classement. Septième. Alors là, ça fait zizir, les amis. Ouais, j'aurais dû finir. Allez, j'aurais dû finir troisième, quoi. C'est incroyable. Là, au départ, là, ils ont eu mon foutu au tas. Ah, je reviens, je suis à 2 points de... Je suis à 2 points de Masbo. Je suis dans le top 10, donc ça va. Bon voilà les amis, je vous dis aimez, partagez, abonnez-vous et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.